Donc ça me fait très grand plaisir juste simplement saluer les très nombreux représentants des autorités et des partenaires ici présents, dans un ordre que j'espère correct. Saluer bien sûr Laurence Feldman-Uriel, conseillère nationale, Thierry Apotello, conseiller d'État, en charge du département de la cohésion sociale de la République canton de Genève, Xavier Magnin, président de l'association Oise et maire de Plan-les-Ouates. Et puis maman aurait rejoint, je ne sais pas s'il est venu en tout temps, Salima Moyard de la ville de Lancy, et Pierre Cornu, conseil administratif de la ville de Mérin, plusieurs représentants des conseils municipaux. Bien sûr, le professeur Didier Pité nous fait la grande plaisir et l'amitié d'être là, donc directeur du service de prévention et contrôle de l'infection. Il m'avoue qu'il est surtout en France ces temps, pour vous l'avez lu, donc on a la chance d'avoir avec nous. Je pense pour lui, c'est quasiment reposant d'être un petit peu avec nous et pas au Sénat et à la présidence de la République. Bien sûr, Valy Carter, président de l'association photographie Geneva. Et puis bien sûr, Demir Sonmez. Il est où entre temps, ce cher Demir? Demir, là, il faut arrêter de travailler un petit peu. Montre-toi, voilà. Demir Sonmez, l'héros de la journée. Nombreux, j'aimerais aussi saluer Charles Pérez-Renvert, ah oui, Michel Pomato de la ville du Grand-Saconnais. J'aimerais, alors on est nombreux et nombreux à intervenir, on s'est toutes et tous engagés à faire très court, donc une heure maximum hein, chacun. Non mais on va faire tous très court, et donc je passe tout de suite la parole au professeur Didier Pité, à grand plaisir. Merci beaucoup, merci, c'est vraiment sympa, c'est sympa de se retrouver tous ici. Oui, c'est plus décontracté que dans certains endroits parisiens, et c'est le propre, finalement, de notre véritable démocratie. Et on doit s'en féliciter. Alors, moi, je vais vous dire très peu de choses, si ce n'est que Demir est vraiment quelqu'un qui m'a énormément touché. Il est venu me voir très, très tôt, au moment de la première vague. Alors, il faut savoir qu'au moment de la première vague, il n'y avait pas beaucoup de temps et qu'on avait déjà refusé X journalistes, photographes et autres, et qu'il n'était pas question qu'on accorde un temps, quel qu'il soit, à un photographe. Mais Demir m'a tout de suite touché, et je vais vous dire pourquoi. Parce que comme Demir, j'ai été très attiré au cours de ma carrière par l'Afghanistan, l'Iran, le Pakistan, par toutes ces zones-là. Et il avait travaillé en zone de guerre, et tout de suite, on s'est immédiatement compris. Et alors, on n'aime pas dire qu'on est en guerre. Ça ne se dit pas. On a même reproché à Emmanuel Macron de l'avoir dit. On est en guerre, nous sommes en guerre contre le virus. Toute la communication de l'Élysée et toute la communication française lui en a voulu. Alors, ce n'était peut-être pas la façon de le dire, mais c'est vrai qu'à quelque part, ça ressemble quand même à quelque chose que très peu d'entre nous ont vécu. Et les guerres, on ne les a pas vécues, en tout cas moi je ne les ai pas vécues. Et donc, effectivement, Demir qui a fait du reportage de guerre, qui s'est engagé dans ces situations difficiles, j'ai tout de suite, il est venu avec son appareil, il m'a montré quelques-unes des photos qu'il avait déjà faites. On était en plein milieu du début de la première vague, et du coup, on ne s'est plus quitté, ou pratiquement plus, à distance en tout cas. Et il me faisait des photos, et je vais vous dire une chose, moi, j'ai eu la chance de ne pas être confiné, d'accord? Je le dis parce que c'est vrai qu'avec tout ce qu'on a dû donner dans le travail de tous les jours, avec les collègues, avec les gens qui n'étaient pas confinés, qui étaient, qu'elles soient caissières, gendarmes, policiers, pompiers, sécurité civile, armée, eh bien, tous étaient engagés très fortement dans ces moments-là. Et personnellement, je démarrais mon travail très tôt à l'hôpital le soir et je terminais que très tard. Et je n'avais aucune idée de ce qui se passait dehors, si ce n'est qu'il n'y avait jamais de bouchon pour aller à l'hôpital, évidemment. Eh bien, ces images, je les ai eues de Demir. Je les ai eues avec son œil absolument phénoménal, où il sait accrocher des instants de vie qui sont fabuleux. Alors, on m'a beaucoup demandé quelles sont les photos que vous préférez, parce que je ne vous cache pas que je les ai vues, ces photos, évidemment. On avait même publié un livre pour lequel il a eu la gentillesse de me demander une préface. Ensuite, il m'a dit, on va peut-être faire une exposition qui parcourra toute cette période, puisque maintenant on sort du tunnel. Et il y a donc rajouté des images au fur et à mesure de la pandémie. Alors, il y a beaucoup de ces images qui m'ont énormément touché, celles des queues au Vernet, celles des,
des situations de personnes dans la rue. On sent toute cette émotion que nous avons tous vécue différemment à travers un œil, le sien. Et je crois que vraiment, c'est ce qui m'a touché le plus. Et c'est pour ça que quand il m'a demandé « Est-ce que tu serais d'accord de nouveau écrire une préface pour cette exposition ?» Je lui ai dit « Écoute, j'ai déjà tout dit. » Mais en fait, en revoyant ces photos, évidemment, j'ai eu un immense plaisir à le faire. Donc, je dirais merci, Demir. Merci beaucoup parce que vraiment, tu nous apportes ce regard absolument unique sur notre Genève. Hein, on est chez nous, là. On se sent chez nous. On vit cette ville, ce canton, ces frontières fermées, ces gens, ces précarisés, encore une fois, au Vernet, je me répète, mais c'est des choses qui nous touchent beaucoup, que moi, je n'ai vu à un moment donné que à travers les yeux de Demir. Et voilà, je voulais simplement te remercier pour tout ce que tu as fait. Tu étais tout le temps là. On distribuait de l'alcool gratuitement sur les marchés. Mauro Poggia était là à 8h30 le matin et Demir était là pour prendre la photo. Et voilà, c'est vrai. Et quand Sami Callahan disait tout à l'heure que c'est plus relax qu'à l'Elysée, oui. Et c'est ce qui fait qu'on est aussi proches les uns des autres et ce qui permet finalement d'avoir de l'authenticité et du vécu dans ce que Demir nous propose. Alors, je vous encourage tous ceux qui ne l'ont pas encore fait ensuite, d'aller regarder, admirer cette exposition. Vous verrez qu'elle va nous rester en tête pendant très longtemps parce qu'on a vécu des choses uniques ensemble. Et merci, Demir. Voilà, je termine. Denis Meugeon, secrétaire général de Reporters sans frontières, et Vincent Collignon, directeur exécutif client des services industriels de Genève. Plaisir de passer la parole à Mme Valérie Carter, présidente. Chers et chers invités, au nom de l'Association photographique Geneva, je vous souhaite les bienvenus. Nous vous remercions d'être tous et toutes venus contempler et valider ce magnifique travail de notre photographe Demir Somnez. Un rétroactif sur notre belle ville durant la fameuse période historique des Covid pour la peine. Nous tenons aussi à remercier les villes, communes genevoises, les fondations et privées qui nous ont aidés financièrement et la ville de Genève qui nous a donné cette magnifique place. Merci aussi à Didier Pité qui a toujours été là, à tout moment, à chaque instant qu'on avait besoin de lui pour concevoir tout ce travail. Alors, nous remercions vivement la ville de Genève, l'ANSI, grâce à Conné, la Fondation Lombard et Patrick Potier, Service industriel de Genève, Sans Frontières, Syndicat Union, Syndicom, Denis Pité. Merci pour vos dons, sans quoi ce projet n'aurait pas abouti. Et merci aussi pour les autres communes qui penseront en nous après, parce que les dépenses sont encore là. Nos remerciements s'adressent également à nos représentants et représentants politiques, dont M. Thierry Botello, conseiller d'État, et à toutes et à tous les conseillers et conseillères administratifs, un grand merci. Bonne exposition, n'hésitez pas à nous faire votre retour afin d'améliorer la prochaine fois. Merci à tous, soyez les bienvenus. Bonsoir à toutes et à tous. C'est pour moi un très grand plaisir, un très grand honneur, une très grande fierté aussi de dire quelques mots ce soir au nom de l'organisation que je représente. D'abord parce que Reporters sans frontières a toujours été extrêmement attentif, a toujours accordé une immense importance au photojournalisme, à la photographie en général, à travers les albums qui sont édités et diffusés trois fois par année, les albums de photographie. Mais il y a une raison encore, je dirais, beaucoup plus précise d'être heureux, fier et honoré pour moi d'être là ce soir, c'est qu'il faut quand même bien dire que sur le plan de la liberté d'informer et de la liberté d'être informé, qui est son corollaire extrêmement important aussi, la crise qu'on a traversée, qu'on n'a pas tout à fait fini de traverser, la pandémie a quand même été le synonyme, je parle ici du monde entier, a quand même été le synonyme assez souvent d'un désastre pour la liberté d'informer. On ne compte pas le nombre de pays qui ont, à l'occasion de cette crise, trouvé le prétexte de mettre l'information sous contrôle, de mettre les journalistes et les photographes en coupe réglée. Ça, c'est une première chose.
Maintenant, en Suisse, bien entendu, je suis tout à fait conscient que la Suisse ne fait pas partie des usual suspects. Et la liberté d'informer a été plus ou moins maintenue. Mais malgré tout, quand on voit ces photos, on se rend quand même compte d'une chose, c'est que pour être touché par ce qu'on voit à travers ces photos, encore faut-il que quelqu'un les fasse, ces photos, que quelqu'un les montre. Or, ce qu'on a constaté lors de cette crise, en Suisse aussi, c'est que la crise a été peu montrée, elle a été peu photographiée, pour des raisons qui s'expliquent évidemment très facilement, c'est que les journalistes, comme les photographes, comme tout le monde, ont été confinés. Ils ont peut-être essayé de se déconfiner un peu, mais ça a été compliqué pour eux. Et nous, on a fait un certain nombre de constats, en Suisse aussi, de préciser que la Suisse, pour Reporters sans frontières, reste un pays qui appartient à la zone blanche, la zone privilégiée des pays où la liberté d'informer est la mieux protégée. Hein? Donc je suis tout à fait conscient de ça et je ne suis pas en train de dire qu'il faut placer la Suisse dans le même panier que la Chine, l'Iran, la Turquie, l'Arabie Saoudite et j'en passe et des meilleurs. Je suis tout à fait conscient de ça. Mais malgré tout, même en Suisse, on a constaté un certain nombre de choses. On a constaté que, c'est ce que je viens de vous dire, la pandémie, la crise a été peu photographiée, ce qui donne un prix, à mon avis, exceptionnel au travail de Denis. On a fait d'autres constatations. Et là, je précise aussi, pour éviter les malentendus, je ne parle pas de Genève, mais on a constaté que certains cantons avaient eu pas mal de problèmes et de peines à basculer en mode distanciel et que ça s'était répercuté sur la qualité de l'information. On a vu des cantons qui ont presque cessé de faire des conférences de presse au moment le plus aigu de la crise. On a vu des cantons qui ont imposé des conditions qui ne nous paraissent absolument pas satisfaisantes ni même acceptables. En imposant de soumettre les questions à l'avance, les questions des journalistes à l'avance. Pour nous, c'est plus une conférence de presse. Hein. Si on peut pas poser des questions en direct, pour nous, c'est plus une conférence de presse. On a aussi constaté que des équipes de journalistes de France et d'Allemagne n'avaient pas pu venir faire des reportages. En Suisse parce que évidemment ils remplissaient pas les conditions nécessaires pour franchir la frontière au plus fort de la crise. Alors je sais bien qu'il y a des raisons tout à fait explicables et compréhensibles à cela, mais la conséquence c'est malgré tout, et je crois qu'il faut en prendre conscience, des restrictions qui ont pesé sur la liberté d'informer, sur la liberté d'être informé. Et c'est pourquoi, et j'en terminerai par là, le travail de Demir, encore une fois, mérite toutes nos félicitations, d'être salué. Il est extrêmement précieux et tout à fait exceptionnel. Je vous remercie. Conseil national, et je passe la parole à ma collègue Salima Moya, conseiller administratif de la ville de Londres. Madame la maire, monsieur le maire, messieurs les conseillers administratifs, Monsieur Demir Semnez, que nous fêtons aujourd'hui. Monsieur le professeur Didier Pitech, de service OHG. Madame la présidente de l'association photographique Geneva. Mesdames et messieurs, chers invités. Je souhaite, au nom du conseil administratif de la ville de Lancy et de mes deux collègues Corinne Gachet et Damien Bonfanti, que j'excuse ce soir, vous adresser les plus cordiaux messages des autorités de la ville de Lancy à l'occasion de ce vernissage qui honore, comme vous l'avez peut-être déjà remarqué, deux lancers. C'est donc à plus d'un titre que je suis heureuse d'être avec vous ce soir. Bien sûr, en premier lieu, pour mettre à l'honneur Demir Semnez et son engagement de tous les instants. Demir est un artiste militant de Lancy, où il réside avec sa famille depuis de très longues années. Rien que pour ça, le conseil administratif se devait de répondre présent à l'invitation. Mais Demir, c'est bien plus qu'un artiste habitant notre commune. Demir ne quitte jamais son appareil photo. Il capte l'instant sur son objectif.
comme auteur de témoignages du passé et du présent, avec une contemporanéité constante, comme témoignage de notre réalité actuelle, dans ce qu'elle a de plus beau et parfois de plus choquant aussi. C'est heureusement pour de joyeux moments parfois, lorsqu'il prend des photos, par exemple lorsqu'il est simple invité à mon mariage à Nancy il y a 10 ans et qu'il se transforme en reporter. Mais surtout, je suis sûre que vous l'avez déjà croisé toutes et tous dans un cadre comme celui-ci, j'ai connu Demir comme témoin de toutes les luttes, toutes les manifestations, tous les combats, toutes les présences dans l'espace public pour défendre la justice sociale, la solidarité, la paix à Genève, en Suisse ou ailleurs dans le monde. En un mot, c'est le compagnon de toutes les causes. Rassurez-vous, je ne vais pas essayer la liste exhaustive de toutes ces causes qu'il a capturées, ça serait beaucoup trop récent, ça serait beaucoup trop long, mais j'ai quand même été voir les plus récentes et je me suis attardée sur, bien sûr, les manifestations en soutien au peuple palestinien récemment, la grève pour l'avenir, les manifestations féminines ou encore la commémoration du génocide arménien. Mais au-delà des combats mondiaux, Demir s'est aussi capté la réalité locale, de proximité, celle qu'on croise en bas de chez soi. C'est Genève sous le sable du Sahara, c'est Genève qui célèbre sa nouvelle conseillère d'État, ou c'est Genève qui organise la nuit est belle il y a très peu de temps. Et c'est dans cet esprit-là, je crois, que Demir a choisi de fixer à jamais cette époque bizarre, mais effectivement historique du confinement strict que nous avons toutes et tous vécu au printemps 2020 et qui nous aura marqué à jamais. Mon fils de presque 5 ans m'a dit il y a quelques jours « Maman, le Covid, il finira quand on sera tous morts. » Ça m'a un peu glacée. Mais c'est dire si cet épisode va marquer les générations, et c'est une historienne de formation qui vous le dit. Alors dans ces photos, Demir a figé le silence, le vide, l'absence, le calme, l'arrêt, le néant. Et ça change. Pour Genève, qui aime plutôt se dire trépidante, cosmopolite, qui aime bien se comparer à Londres ou à New York. Et ce fut des clichés absolument magnifiques. Et puis heureusement quand même, après mars, avril, mai 2020, la vie reprend ses droits. L'humain est un animal et par essence, il s'adapte. Alors on trouve progressivement et péniblement comment des nouveaux moyens pour survivre, pour plus ou moins garantir les liens sociaux, même distendus, comment s'offrir un bol d'air pour ne pas devenir fou, comment se protéger tout en travaillant. Présentiel ou visio, c'est elle, des exclusions de tel ou tel lieu, la suspicion face à l'autre qui devient un potentiel danger, et au final le repli sur soi que vivent tous les pays d'Europe et qui malheureusement n'épargne pas notre joli canton. Alors dans ce tableau assez noir finalement, moi, j'aimerais voir, et avec vous par cette belle journée, plutôt la lumière, l'optimisme, l'espoir associatif. En renforçant par exemple l'accès aux prestations, comme l'a fait Thierry Apotello que je salue avec son bureau d'information sociale, et en renforçant les services de proximité, comme le fait par exemple Nancy et tant d'autres communes, avec davantage d'assistants sociaux, davantage de prestations de soutien, davantage de permanence. Le but, c'est de redonner confiance dans l'autre, de chasser cette crainte qui s'est trop rapidement installée de la peur de la proximité physique. On se souvient même plus ce que c'est de se serrer la main, de se faire la bise. Et de renouer donc des liens sociaux, alors qu'il y a encore trop aujourd'hui d'isolement de nos seniors par exemple, ou des travailleuses et travailleurs devant les écrans. C'est un travail de longue haleine, collectif, qui nous rappelle que c'est notre devoir à tous. Je ne peux enfin terminer ces quelques propos sans bien évidemment mentionner Didier Pittet, auteur de la préface de l'ouvrage issu de cette exposition, une préface que vous avez certainement lue tout en subtilité, en douceur, en nuance, dans laquelle je me suis personnellement très bien retrouvée. J'espère trouver dans ce lancéen de souche qui a reçu notre mérito, dont il serait bien de tirer des enseignements afin de faire mieux demain pour une Genève plus unie, plus solidaire et plus juste. Merci à ces deux hommes lancés en... Directeur exécutif client des services industriels de Genève. Et le présent, grâce au travail de Demir Sommet,
exposé aujourd'hui ne nous échappera pas. Demir Sommet jette un regard à la fois engagé et bienveillant sur le monde. Il est ce que je nommerais un marathonien de la photographie, car Demir, on l'a déjà dit, il est partout, tout le temps, à traquer l'événement, à capter l'actualité. Il nous offre jour après jour un témoignage fin et précieux sur notre temps, avec parfois ses joies et souvent ses absurdités et ses douleurs. Demir est allé en Arménie, en Ukraine, en Irak. Pierre, maire et Laurent Tremblay, conseiller stratégique, que j'excuse ce soir, je tiens à vous remercier pour cette invitation donc au vernissage de cette exposition. Un moment bienvenu qui nous donne aussi une excellente occasion de nous retrouver et de nous revoir autrement que par le filtre d'un écran d'ordinateur ou de téléphone. Et en plus, c'est pas seulement du mal à nos organes. Par les mesures sanitaires de distanciation, il a aussi développé un mal invisible consistant à isoler celles et ceux qui auraient justement, et bien au contraire, grand besoin d'être entourés et rassurés. Cet accompagnement a heureusement pu être assuré, notamment par les personnels de soins ou les travailleurs sociaux, mais aussi par les nombreuses démarches citoyennes et bénévoles qui ont émergé spontanément dans les quartiers, les immeubles et les villages. Par cette exposition rendant hommage aux actions courageuses de toutes les personnes qui ont œuvré dans la lutte contre l'isolement des personnes fragiles, ou atteintes dans leur santé durant cette période particulière, nous souhaitons également ne pas oublier tous les autres, toutes les autres personnes qui ne sont pas visibles sur ces photographies, mais qui ont aussi, chacune à leur manière et en fonction de leurs moyens, contribué solidairement à ce que nous puissions toutes et tous traverser dignement cette épreuve sanitaire. Mesdames et messieurs, en vos titres et fonctions, cher Demir, en tant que maire de Carouge, mais aussi et peut-être surtout en tant que présidente de la commission culturelle de l'Association des communes genevoises, et c'est pourquoi je parle aussi un peu au nom de mes collègues des exécutifs communaux, dont le président, en particulier Xavier Magnien ici présent, et Laurent Jiméja, je suis très heureuse d'être là aujourd'hui, non seulement car cette exposition est une magnifique réussite, mais évidemment des mesures, et tout en conservant certains gestes barrières qui sont désormais entrés dans nos habitudes. Là, je pense que je marque un bon point pour le professeur Peter. Mais revenons-en à cette exposition qui est du reste un beau symbole. Nous nous retrouvons enfin, après plusieurs mois d'absence de manifestations culturelles, pour en fait replonger, dans une certaine manière, dans le confinement. Ce qui pourrait paraître un petit peu particulier, mais c'est surtout pour découvrir justement des visages différents de cette Genève confinée. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, je ne vais pas être long. Madame Lamarre ayant parlé en notre nom à tous, je prendrai quand même du plaisir à regarder notre conseiller d'État qui est attendu bientôt, mais ça fait partie de la fonction. On est le dernier à s'exprimer, toujours. Mesdames et messieurs, chers Demir, l'essentiel a été dit pour ma part, mais le grand Saconnais que je représente ici avec mon collègue Michel Comato ne pouvait pas ne pas être présent et ne pas dire deux mots. Donc, le grand Saconnais tient à saluer le travail de l'ami et du professionnel Demir que tu es, toi qu'on croise et sur toutes les manifestations comme ça a été rappelé. Toutes les manifestations importantes ou non d'un parti ou d'un autre, d'une faction ou d'une autre. C'est pourquoi mon collègue Michel Comato et moi-même, donc vous avez deux tiers du collège ici présent, sommes ici. Moi, parce que c'est presque mon premier discours depuis que je suis élu, et Michel qui reprend le flambeau dès la semaine prochaine. Bonne chance, Michel. Nous savons ce que toi et moi, nous devons à Demir qui nous a fixé, j'allais dire, sur ce pays. Toutes et tous qui prenons la parole aujourd'hui, nous sommes très convergents, et c'est logique, pour saluer le travail de Demir Sommet. C'est vrai que pour le conseil administratif de la ville de Genève, mettre à disposition cet endroit nous paraissait naturel. On a un peu bousculé le calendrier parce qu'il faut savoir que depuis quelques années,
Cet endroit est très sollicité puisqu'il est un des endroits phares dans lequel nous organisons des expositions photographiques, ou plutôt nous mettons à disposition. Et c'est souvent des expositions, presque toujours, qui ont des thèmes, disons, d'intérêt public, des thèmes militants, des thèmes engagés. Vous avez par exemple l'exposition concernant le prix de la bande dessinée avec Plantu et Chapat, hein, qui récompense des dessinateurs ou dessinatrices dans des pays où ils sont persécutés. On parlait de la liberté de la presse. Donc ces expositions, évidemment, c'est un endroit extrêmement visité. Et l'immense avantage de cet endroit, c'est que vous amenez la photo à des gens qui ne s'y attendent pas, puisqu'ils se promènent ici. Et donc, quelque part, ça correspond à un des éléments clés d'une politique culturelle telle que je la défends, et je sais qu'on est toutes et tous nombreux à y croire, c'est d'amener les messages dans l'espace public pour aller vers des gens qui ne s'y attendent pas forcément et qui ainsi découvrent un message, découvrent un travail. Donc effectivement, Demir est un témoin de longue date. Depuis que je milite à Genève, c'est-à-dire 30 ans, je croise Demir dans tous les événements imaginables, pas que politiques, hein, je veux faire comme un livre, je comprends que même des mariages ou des festivités. Je parie que demain, il sera pour la Colombie à la Place des Nations, manifestation de solidarité, fidèle au poste. Et c'est vrai qu'il participe d'une démarche que la ville de Genève a initiée de soutenir les photographes au sens large, parce que c'est un art qui a longtemps été un peu négligé, ou disons par rapport à d'autres expressions artistiques. En même temps, c'est un art très accessible. On dit à juste titre qu'une image vaut 1000 mots. Et c'est vrai que par rapport à la période incroyable que nous vivons depuis plus d'une année, je pense que chacun, chacune d'entre nous a des souvenirs précis. Par exemple, les frontières fermées, avec l'armée aux frontières et toutes ces... les gens en isolement. Le mot qui revient plus souvent, c'est isolement. Isolement pour des raisons sanitaires, mais aussi des raisons sociales, des raisons économiques. Fermeture, distance, c'est vraiment des mots lourds que ce pays n'a pas l'habitude de dire. Le mot de la fin promis. En fait, trois, si vous me le permettez. D'abord, on voit des effets insoupçonnés. Vous devriez étudier ça, professeur, du Covid. C'est effectivement d'annoncer que ça va être court et que c'est relativement long. Donc, notamment parce que les hommes et les femmes politiques ont été privés de discours. Privés de discours, et ça, c'est terrible pour un homme politique, une femme politique. Et du coup, à la moindre occasion, on se précipite pour un moment important. Parce qu'ils se font avec générosité, ces interventions, elles se font avec un intérêt tout particulier de présence et de remerciement. Mes trois mots pour vous, mesdames et messieurs, ce soir sont les suivants. Tout d'abord, celui du témoignage. Nous avons besoin, avec la crise que nous sommes en train de traverser, de témoigner. Témoigner dans notre relation familiale, dans notre relation amicale. Et nous avons besoin aussi de nous assurer que ce que nous avons vécu puisse être transmis. Car il y a des choses qui ont été vécues difficilement, et cela doit être également dit. Il y a aussi des belles choses qui ont été transmises. Il faut que nous puissions toutes et tous en être porteurs. Alors certaines et certains ont la facilité des mots. On l'a entendu, certaines et certains ont la facilité des discours. Demir a la facilité de la photographie. Non pas qu'il se précipite sur n'importe quelle photo, au contraire. Demir est un artiste exigeant, un artiste qui permet à toutes et à tous d'être également porteurs et porteuses de témoignages. Dans quelques mois, dans quelques années, eh bien, nous aurons le devoir de témoigner de ce qui a été fait, de ce qui nous reste encore à faire. Demir a témoigné, il continue de le faire. Je me souviens d'une très belle et magnifique exposition, aussi dense et aussi sensible que celle que nous avons aujourd'hui devant les portes de l'ONU. Là aussi, c'était un moment fort, un moment important, un moment de témoignage dans lequel, effectivement, tu nous as invités. Mon deuxième mot est celui de l'engagement, car le témoignage ne peut se passer d'un engagement. L'occasion d'une rencontre et l'occasion d'une volonté partagée et commune. L'engagement, c'est aussi celui d'un hôpital tout entier. Il a fallu pour cela choisir un personnage qui puisse témoigner là aussi de ce que l'engagement de l'hôpital a été
réalisé pendant cette crise de la pandémie. Le professeur Pittet, avec son énergie naturelle, a été évidemment la personne qui nous a permis de mettre un mot sur toutes celles et tous ceux qui se sont battus à l'hôpital avec les services d'urgence, battus également avec toutes celles et tous ceux qui, sur le terrain, et on voit la photo de Valérie Carter au travail, de toutes celles et tous ceux qui ont l'extrême mobilité de vouloir dire quelque chose de ce que nous avons vécu. Alors, professeur Pittet, j'aimerais à mon tour vous remercier pour votre engagement, votre volonté, votre énergie. Au Conseil d'État, lorsque nous avions certains doutes, certaines difficultés à prendre des décisions difficiles pour la population, celle de fermer, celle d'isoler, celle de restreindre, eh bien, avec vos collègues, professeurs, vous étiez également présents pour nous orienter, nous éclairer, toujours dans une volonté partagée, que celle de protéger la dignité humaine. Et j'aimerais en cela, devant tout le monde, vous remercier. Remercier également d'avoir un petit mot pour vous, tous et tous. Je préparais une discours, mais je ne vais pas faire une discours. Seulement, je vous remercie pour réaliser ce projet. C'est Lombard Odier Fondation, remercier. Denis Pittet, Dottie Roman, Service industriel de Genève, Reporters sans frontières, Syndicom, UNIA, Ville de Carouges, Ville de Grand-Saconnet, Ville de Lancy, Ville de Meyran et Ville de Genève. Je remercie le Conseil national, Madame Conseil national, Monsieur Conseil d'État, Monsieur Conseiller national, Madame le maire, Monsieur le maire, Monsieur le Conseiller administratif. Je vous remercie mille fois. Grâce à vous que je réalise ce projet, mille merci. Seulement, je voudrais faire un petit cadeau à chacun et chacune. Si vous... okay. Merci. Photographe, seulement le cadeau de photographe, c'est photo. C'est juste. Merci. Les autres photos, c'est ma famille. Alors, je vous laisserai découvrir l'exposition au bord du lac. Monsieur le maire, merci. Monsieur le président.